Bah ça va plutôt pas mal. Alors manque de souffle, hein, voilà, j'ai fait 200 mètres comme ça depuis ma bagnole pour essayer de pas être trop à la bourre. J'ai pu t'observer pendant 2 minutes au feu dans la bagnole. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. C'est le feu rouge, je vais être sérieux. Ce feu rouge, il a jamais duré aussi longtemps qu'aujourd'hui, tu vois. Genre, surtout que c'est le feu rouge du dimanche, t'as pas une bagnole. T'as un vieux mec en vélib à 200 mètres, tu dis mais non, je vais pas le faire parce que... Voilà. Bah je respecte la route. T'es baisé. Effectivement, nous sommes baisés, mais non, on n'est pas baisé du tout, figurez-vous, parce que c'est la BlizzCon, c'est l'opening week, c'est le 3e jour, on détermine 4 nouveaux qualifiés. Est-ce que t'es sur le bon serveur? Normalement, c'est bon. Normalement, je crois que t'es sur Baguette, par contre. Non, on est bien sur le bon. Ok, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, toutes mes confuses, Du coup, effectivement, on a qualifié 4 joueurs, on qualifie les 4 derniers. Oui. Donc à l'issue de cette journée, on connaîtra l'arbre, on saura qui sont les 8 protagonistes qui iront à la BlizzCon, The Real Event. Et voilà, va-t-on ajouter un second Foreigner? On a déjà Serral. Il nous reste Showtime, il nous reste du Az, il reste du Nerchio, il reste du Nib, il reste... qui est-ce que je n'ai pas cité? Major, mais Special. T'as oublié Special. Mais à mon avis, dans la liste que t'as donnée, je pense que déjà de base, on peut enlever Az, on peut enlever Nerchio. Alors fais gaffe, je crois que ton micro est pas encore live. Allô, bonjour, mais c'est Pomf. Alors oui, en duplex, Pomf. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Je suis en direct de LA. De LA, partie gauche du plateau en tout cas. Bonsoir. Bienvenue sur ce dimanche dominical, bien sûr, plus de skills. Ce week-end qui va être définitivement chargé. Et j'ai envie de vous dire, messieurs, il reste tout le monde, sauf les 4 qualifiés. Et oui, alors, il en reste 12. Ben c'est ça, il nous reste 12 joueurs qui vont batailler pour 4 places. Donc si vous savez faire des maths, ça veut dire qu'il y en a 2 tiers qui dégagent. Oui. Voilà. Oui, c'est bon, c'est bon. Il y a déjà 2 tiers qui vont dégager. Voilà. La question, c'est qui sont les 4 pour rejoindre. Alors attention. Oui. Maru. Bonsoir. Qualifié, groupe 1, 2-0, 4-0, tranquillement. Ensuite, on a eu quoi? Serral. 2-0, 4-0, tranquille, pépouze. Ensuite, on a eu Stats. C'est dans ce sens-là, oui. Ensuite, on a eu Stats, 2-0, 4-0 lui aussi. Donc tranquillement, hein, les 3 joueurs qui sont arrivés, allez, c'est nous les favoris, c'est nous les premiers du Power Ranking au Gaming Starcraft. On est là, on est chaud, ça fait 3 qualifiés. Le 4e, c'est le champion en titre, Rogue, tout simplement. Lui, il n'a pas fait le perfect. Il y a eu un démarrage un petit peu mou face à un Special qui a sorti le gros gameplay. Mais ça n'aura pas suffi pour le Mexicain pour s'imposer. Du coup, on s'impose quand même du côté de chez Rogue. Un petit 4-1, ça restait de très haute facture. Dans tous les cas, les 4 favoris réellement en fait qui passe premier sans aucune surprise. Maintenant maintenant rien n'est fait en fait pour les autres quoi. Je m'attendais à classique plus que Rogue en fait, groupe D, tu vois. Je pensais que classique prend la première place, mais au final Rogue il a été impérial. Et dans son match face à classique, du coup dans le match winner, il l'a 2-0 et il l'a 2-0 comme un malpropre. Il lui a dit rentre chez Watt. Autant Special lui a pris une carte, classique a tenté des choses, mais il s'est fait attraper par le réalisme de Rogue. Quand tu fais Nidus game 1, bah voilà, c'est tu permets des choses, voilà, quand tu t'appelles Rogue. Et non, il a été... C'est vrai qu'on attendait très réactif dans l'adaptation de la vitesse du multitâche. Franchement, la semaine prochaine, l'écart, les deux, ça va être tellement sick. Déjà ce soir, ça va envoyer du lourd, mais ce qu'on va avoir vendredi prochain, ça va être juste du grand n'importe quoi. On va passer en BO5 surtout à partir des quarts de finale. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît parce que le BO3, il y a toujours une petite saveur de est-ce que vraiment il était plus fort? Est-ce que c'est le fait simplement de gratter une petite carte et puis de mettre la deuxième qui permet? Alors évidemment, hein, contre des joueurs de ce niveau-là, c'est pas évident de gagner en BO3, mais on le dit. C'est un format qui est un peu plus volatile que normalement le BO5 où le meilleur joueur est censé s'imposer. Oui. Là, on a 4 joueurs, compris la première place, Maru, Serral, Stats, Rogue. Est-ce que c'est nos demi-finales, Pomf? Est-ce que tu crois que Maru, Serral, Stats et Rogue, c'est nos 4 demi-finalistes? Bah écoutez, voilà, évidemment, les statistiques m'ont parlé, Funkadelic. Oui, mais c'est pour ça que je te pose la question. Voilà, j'ai lu... Ta gueule. J'ai lu dans le Starcraft 2 game, la matrice de Starcraft, comme ça. Et j'ai vu une Non, j'ai rien vu en fait. T'as rien vu du tout? Non, je n'ai rien vu du tout. Je pense que Az, néanmoins, a complètement ses chances. Moi, j'attends Az. Alors hier, il s'est fait un peu chier dessus. J'ai vu ton cast, Funka, et j'ai trouvé un petit peu dur avec notre cher pro-gamer taïwanais. Mais je pense qu'aujourd'hui... Attention, bon, Chinese Taipei, Taïwan, c'est pareil. Je trouve que vous avez été un petit peu dur, même s'il a perdu 2 fois en 5 minutes. Il a perdu 2 fois en 5 minutes, mais en plus il s'est fait un petit peu démolir. C'est-à-dire que c'était pas juste une défaite, c'était une démolition. Et bien c'est pour ça qu'aujourd'hui... Donc aujourd'hui il démolit. Aujourd'hui il va ouvrir sur qui? Il a Dark. Non mais il joue Dark. Dark. Easy. On met Dark, moi je te dis Dark. Je sais que t'as un grand cœur Pomf, mais est-ce que réellement il débarque et il prend Dark? Ouais. Ouais. Le pronom fait fait. Le pronom est fait. Je pense que Dark il est pas prêt. Plein de surprises dans cette BlizzCon. Dark, je suis sûr en fait, il avait pas prévu de jouer contre Az, tu vois, et je dis bon, bah, on va quand même étudier le joueur, et puis il a lancé les VOD, il a vu les VOD de Valence, tu vois, la fameuse petite goutte sur le front mode. Oh mon dieu. Non, mais il va me canon rush. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis pas prêt pour jouer ce genre de choses. Parce qu'à aucun moment il y aura une macro game du côté de chez Az hein, contre Zerg. Genre never. Est-ce qu'on connaît le premier match ? Il n'y a personne dans le channel Non, ça va. Alors c'est pour ça que j'ai mis le Discord en sécurité sous les yeux, comme s'il y avait un changement de serveur, de machin. Rien. Ok, rien. On n'est pas encore dans la game, donc vous voyez, bah, peut-être qu'il y a eu changement d'heure et aux États-Unis également, et que du coup cette heure elle est tout simplement pour remplir un petit peu, pour que tout le monde, tous les organismes se mettent au bon timing. C'est une possibilité. Bon timing, Finka. 18h18, enfin 17h18 d'ailleurs, elle n'est pas à l'heure cette horloge, voilà. 17h18, même 17h16 selon Battle.net, et les games ne sont pas encore hostées, mais le problème c'est qu'on est tout seul dans ce channel BlizzCon, et moi j'ai un peu peur. Je t'avoue que je me dis merde. Est-ce qu'il n'y a pas eu erreur technique? Est-ce qu'on est bien sur NA? On est sur NA? On est sur Europe. Heureusement que je vérifie. Comment c'est possible? J'ai cliqué sur NA au login. Bien joué, Yogo. Alors, mais non, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Et voilà, je vous invite, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais un petit peu en PLS. N'hésitez pas du coup à aller checker cette petite VOD YouTube que j'ai faite à l'arrache juste avant de partir, qui revient sur les best moves d'hier. Donc vous avez un peu, dans une certaine mesure, une espèce de top 10 des VOD, mais aussi une analyse très poussée de Funkadelic Verrier. Donc voilà, c'est sur YouTube et c'est sur ce tweet. Si ça vous intéresse, c'est par ici. Merci beaucoup à Business22 qui nous fait une petite donation de 5 €. Merci à tout le monde qui sub, qui donne, qui nous montre eh bien, une excitation la plus totale pour cette BlizzCon Opening Week. Là, je vois de la guitare, c'est pas ça. Il y a eu guitare et il y a eu VOD YouTube. J'ai fait une petite guitare aussi à la maison, acoustique aujourd'hui. T'as envoyé un petit beat. J'ai envoyé un petit beat. On aura peut-être à l'occasion, à la pause, peut-être le temps de lâcher un petit 16, Pomf, si ça t'intéresse. Bien sûr. On a une guitare. On a le meilleur beatboxer de tout au gaming à côté de nous. Ah non, moi j'ai fait le poisson quand on a tourné une vidéo l'autre fois. Ça marche bien d'ailleurs. Ton poisson est très très bon. Mais je me souviens plus comment c'était. Ouais, c'est ça. C'était ça. Ouais. C'était ça. Voilà. C'est tout. Et maintenant on est dans le lobby. Maintenant on est dans le lobby, ouais, parce que je suis complètement compétent. Lobby de Lambo contre TY. C'est donc notre premier match de la soirée. On en a 8. On est là jusqu'à peu près 1 h du matin. Donc faites les stocks. Bon, c'est dimanche, pas grand chose d'ouvert, mais allez faire les fonds de tiroir, sortez les cacahuètes, tout ce qui vous reste, allez grailler. Parce qu'il va falloir encaisser beaucoup de matchs aujourd'hui, des larmes. Du bonheur, on verra ce que l'avenir nous réserve. Quel est ton setup d'ailleurs de regardage de game du dimanche, du dimanche dominical, Pomf? Cacahuète C'est déjà main gauche dans le froc. Bien sûr. Évidemment. Un minimum. Et ensuite, c'est sous couette avec ma petite table. Et généralement, c'est accompagné de 25 balles d'Indien. Puisque c'est le moment où je vais aller faire les courses. Et vu que j'ai très faim, eh bien, je prends toujours énormément. Et ça me fait. C'est quoi ta commande parfaite chez l'Indien? Alors c'est simple, c'est 2 naan fromage. Déjà. On part sur du riz à petit Bariani. Et généralement, j'aime bien tout ce qui est poulet, agneau en sauce, avec des petits confits d'aubergine, un petit peu les lentilles. Ah ouais, le dalle. Le dalle pour quand t'as la dalle. Ah, la bonne dalle. Voilà. Billet. Voilà. Pas les yaourts. Non, mais c'est pas les yaourts. Tu aimes les yaourts? Je sais pas, moi je trouve que c'est frais. Les lassis, à la menthe. Moi je kiffe. Mais j'aime bien comment ça s'appelle là, les beignets d'oignons là. Ah oui, c'est trop bon ça. Voilà, plutôt indien, plutôt cosy, plutôt couette. D'accord, mais sous couette qu'on ne voit pas la main gauche dans le calbut. Non, on peut la deviner. Un peu de décence. Ah oui, on se doute. Une ouverture du coup de BlizzCon Opening Week de toute beauté. D'ici quelques instants, je pense qu'on va partir sur ce match TY contre Lambo. Est-ce que upset il peut y avoir? Genre non. Là autant toi tu crois en Az, mais tu crois pas en Lambo qui bat TY. Non. Lambo il a des challengers, c'est celui qui a fait la meilleure impression. Genre contre Baro, c'était pas dégueu hier. Ah oui, oui, non, il a fait démolir. Mais il s'est fait démolir avec la, tu vois, la combativité. Il n'est pas arrivé, il s'est pas pris juste la petite claque. Non, il a fait des trucs super propres. Hein. Ouais. Il a fait des débuts de game incroyables jusqu'au moment où le truc part en sucette et Maru commence à claquer très fort sur son clavier. Mais avant ça, c'est vrai que Lambo, il est prêt, il est propre. Mais j'ai peur que la propreté ne suffise pas à la BlizzCon, messieurs. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Il faut le fuego. Exactement. La faya. Le foyer, en l'occurrence. Le foyer. Un petit sachet de smecta dans la gourde de ton adversaire. Ça peut marcher aussi. Ce genre de choses. Ça peut marcher, mais je ne sais pas si c'est autorisé. Je pense que les gourdes sont tout à fait contrôlées avant de rentrer dans la Blizzard Arena. Puisqu'on a changé de lieu d'ailleurs, on n'est plus dans les locaux ESL Amérique, mais on est bien dans la Blizzard Arena, qui est aussi le lieu qui sert au match de l'Overwatch League. Et c'est pour ça que c'est joli tout plein, qu'on a un beau setup, une belle stage. Non, ça a complètement de la gueule. Il remanque le petit public, tu vois, sur Starcraft. Comme il sera là la semaine prochaine. Il sera là, il sera nombreux. Il sera nombreux. Il sera légion. C'est ça. 30 000 personnes à peu près à la BlizzCon pour venir assister à la finale Starcraft. Hein, voilà, un plan intéressant sur Kailaris qui est là. Mais comment? Il arrive très lentement, ce plan. Eh oui, c'est les World Championship Series Global Finals. Pogné. Ils partent en pub. Mais non. Ça, généralement, c'est qu'ils vont lancer la LA game. Et ben on s'en fiche. Nous, on reste là. On continue de blablater. We will be back in 259. Voilà. Lambo TY. heroMarine contre SOS. Az contre Dark. Nerchio contre Special. Ce sera le premier set de 4 games. On enchaînera sur 4 suivantes. Et puis on aura donc nos 4 qualifiés. Dans les, moi j'attends Az aussi, hein, comme Pomf, genre la petite blague. Est-ce qu'il est vraiment capable de continuer l'arnaque? Genre il a fait quelque chose qu'on... Genre de toute l'année, je sais pas c'est quoi le truc le plus incroyable que t'es un joueur qui gagne 4 GSL, un joueur qui gagne 4 WCS, ou que Az se soit retrouvé dans une finale d'un event majeur sur Starcraft 2. Parmi les 3, c'est quoi pour toi le truc le plus improbable? Si on t'avait dit en 2017, il va se passer l'une des 3 choses, 2 sur 3 sont bonnes, une est fausse. Laquelle tu choisis? Genre. Je dirais quand même que 3 GSL, ça reste le truc le plus impressionnant. Mais bon, c'est peut-être mon coréen fanboyisme qui te dit ça. Ouais, mais... Le truc, c'est que Az, il a fait des upsets dans sa carrière et il a déjà gagné des tournois entre guillemets majeurs. Moi, je me rappelle, je sais plus dans quel tournoi c'était. C'était un random tournoi chinois, je crois, où il bat MMA en finale. Il avait déjà gagné. Ah, je m'en souviens. Mais il lui fait une espèce de cannon rush et ensuite il lui pique sa B2 et tout. Genre il pose un Nexus sur la B2 des MMA, je crois que c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. Je vois la bataille d'Arim Protoss. C'est dans le même délire. Oh mon dieu. C'est. Merde, c'est. Comment elle s'appelle? C'est celle où il y a eu les manuels. Un truc dans le genre. Je sais pas si c'était aussi. Je sais pas si c'était celle-là. Non, c'est moins vieux que ça. Je pense que c'est pas celle où. Maru éclate le pauvre Myung-Sik. Je crois que c'est sur cette carte. Deadwing. Sur Deadwing, je crois. C'est que de l'online là. Ils n'ont pas le résultat. Ils n'ont pas le résultat offline. Ça devait être un si petit tournoi, ou alors c'est trop vieux pour que ce soit sur Aligulac, je sais pas. Alors, toujours est-il que le fait de gagner 3 tournois aussi relevés que la GSL d'affilée, moi je trouve ça tout bonnement hallucinant. Mais les 4 WCS, c'est complètement dingue aussi, tu vois. Ça. Mais donc, genre WCS pour dire, genre, non, mais... en finale, genre c'était. Improbable as fuck. Improbable. Et je pense que tous les joueurs qui l'ont laissé aller jusqu'en finale doivent encore se dire mais qu'est-ce qu'on a foutu quoi? Qu'est-ce qu'on a branlé? Genre Showtime particulièrement en demi-finale, bon, t'as perdu As 3-2, Nerchio, perdu As 3-2, des joueurs qu'on retrouve aussi dans cette BlizzCon, tu vois. Mais pour moi c'est plus genre un alignement des planètes et quand même le style de jeu de As qui permet ce genre d'upset. Merci Jay. Au Gaming SC2, on est prêt pour la soirée. Alors il y a quoi à droite? Ah ouais, ça va farmer ses quêtes pardon, sur World of Warcraft à droite. Si j'ai compris. Bien. Et pendant ce temps-là, ça va regarder Pomf et ses poils luxuriants. Certes. On a reçu un message de Blizzard d'ailleurs qui demande que tu reboutonnes ta chemise. Hein. Bah, on n'est pas obligé de l'écouter. On n'est pas obligé de l'écouter. Mais effectivement, non, il y a un côté un peu improbable dans le fait que Az soit dans ce top 16 et soit là donc à la BlizzCon. Mais pour moi, ça reste un feat un peu moins impressionnant que Serral qui lâche pas une saison de WCS et Baro qui lâche pas une saison de GSL. Désolé d'être le mec moins drôle. Ah là 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 là. Non mais je comprends. De toute façon c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, surtout sur des GSL où on n'est plus sur la GSL une fois tous les mois, où c'est vrai qu'il y a une époque, l'époque de MVV par exemple, qu'on voit là. Mais tu pouvais dominer pendant 3 mois, tu te faisais 3 GSL de suite, parce que l'année 2012 t'en as une tous les mois, donc ça allait très vite. Ouais, là en 2018, Maru il a dit je suis le meilleur joueur de Corée, donc probablement du monde, ou en tout cas similaire, pendant toute l'année. Il n'en a pas lâché une. Et ça, c'est moi, je trouve ça hallucinant, le niveau de jeu de Maru, qui surtout sort d'une année 2017 plutôt en demi-teinte, et qui en 2018 remet les choses dans le bon sens et dit non mais attendez les gars, je suis l'arme ultime. Je suis l'arme ultime venant de Corée, avec en plus en portant l'étendard des joueurs Terran qui étaient bien en difficulté pendant ce temps-là. Merci beaucoup, King Meru. Il dit que du bonheur grâce à vous. King Meru qui rince, bien sûr. King Meru qui est en régie d'ailleurs. Bah, il vient de payer son indien. Voilà. Ah ouais? Bah voilà, apparemment c'est une donation pour l'Indien de Pomf. D'ailleurs c'est la question qu'on se posait avec Cosby, tu vois, on est dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout qui est fermé, tu vois, c'est le moment où... Ah bah je te le dis direct, hein. Moi je sais très bien ce qui va se passer, hein. Une petite commande Deliveroo des familles. Hein. Deliveroo? Ouais je crois, ouais. On va trouver un Indien dans le secteur, parce que moi je vous assure que j'ai absolument pas bouffé. De quoi? Il doit rester les carottes râpées je crois dans le frigo. Carottes râpées? D'accord. Bah si on se les sépare en 3. On se rationne une à une. Enfin je dis 3 mais en fait 4 parce qu'on a quand même Cosby à nourrir. Cosby effectivement, et putain qu'est-ce qu'il avale lui hein, ah ça. Il faut le nourrir hein. Faut le nourrir. Une belle bête. Ah bah Big up Cosby réalisation ce soir bien sûr. Qui s'est d'ailleurs balancé tranquillement un petit encart hier. Réalisé par Cosby. Ah ouais? Hâte le Cosby. Ouais, comme ça. Tiens, on a fait 5 minutes de bye-bye, il n'a pas été cité, il a été là. Bon, attends, bah, je vais prendre les devants. Et. Il a le droit à son encart et son émote. C'est vrai qu'il a son émote. C'est vrai qu'il a son émote. C'était dans le deal, oui. On en avait parlé, Yogo. C'est vrai. Hop, tac. Bon, elle se lance cette game, bordel. Voilà, en tout cas, bordel à cul. Alors, ça, du coup, on est à peu près respecté. Il y a juste 4-5. Voilà, ça a été la petite surprise. On verra jusqu'où ça va. Si on en croit, par contre, ce power ranking, on n'a pas un seul autre foreigner qui sort. Showtime est 10e. Honnêtement, moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Maintenant, SOS, on l'a vu un peu en demi-teinte. Il y a peut-être une place qui saute. Maintenant, SOS est dans le groupe avec heroMarine qui, je crois, personne ne voit. J'ai beau aimer heroMarine, j'y crois pas là. En vrai, j'avais un bon feeling sur heroMarine qui prenne au moins l'un des deux Protoss. Donc s'il prend pas Zest, pour moi, il peut prendre SOS. C'est vrai qu'il peut taper SOS, mais moi, je pense qu'il va battre SOS. Le rematch ensuite derrière face à Zest. Ah, mais il va se refaire bouffer. Mais il va claquer au moins SOS. Mais regardez quand même. Hein. Bon, on s'est trompé. Entre le 4e et 5e, puisque les 4 qualifiés sont Maru, Serral, Stats et Rogue. Mais voilà, on était quand même pas loin les bros. On était quand même pas loin d'avoir les 4 premiers de groupe. Derrière moi, pour moi, TY tire son épingle du jeu. Alors, le truc c'est, est-ce que Nib va le pécho? Parce que Nib l'a déjà battu hier, 2-1. Donc il peut répéter ce genre de result. De toute manière, c'est lui qui attend en decisive match. Hein, TY, il va falloir d'abord qu'il tape Lambo. Alors, je vois, il n'y a que TKL et Fantasma qui, pour l'instant, ont bien mis le top 4 hein, dans le bon ordre. Donc, on voit voilà, les plans de Lambo, évidemment, le chapeau. Ça, histoire d'amener le swag. Austin. Ouais. Il nous a fait 2 demi-finales cette année, Lambo. Lambo pour un joueur voilà, qu'on disait un des potentiels top Zerg de Legacy of the Void, puisque très présent dès l'origine de LOTV, et surtout sur la bêta où il était probablement un des meilleurs joueurs européens, et bien il aura mis du temps quand même à monter et à montrer ce level qu'on connaissait de lui sur le ladder, mais aussi lui-même, parce qu'il a une haute opinion de lui-même, et il faut le comprendre, hein, le mec était un très bon joueur de Starcraft, mais c'est vrai que 2016, pas terrible, 2017, moyen également, 2018, ça y est, on a les résultats qui expliquent ce qu'on pensait de lui. Au-delà des WCS, c'est même un homme Story Cup qui est un petit peu plus fun, tu vois, il finit premier de groupe où t'apportes en 8 joueurs, et devant Zest et compagnie, hein, ouais. Le gars, dans tous les tournois, en fait, de l'année, il n'a pas déçu. Voilà, il a toujours fait au moins ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire son petit top 16, voire mieux, Async and Playing. To best Terran in the world, and maybe the best PvZ player in the world. Bah ouais, t'es un peu dans la merde du coup. C'est vrai que Lambo en termes de Protoss versus Zerg, ses timings ils sont juste complètement fous. Hein. Maintenant c'est le jeu, tu ne peux pas. Enfin, ce serait difficile de gagner un tournoi en étant fort d'un seul match-up. C'est le dernier rank Lambo, hein. C'est le 16e. Hein. Donc clairement, le fait qu'il se retrouve dans entre guillemets le groupe de la mort, c'est-à-dire avec le premier du système WCS au global, Maru, ensuite tu te prends TY qui lui aussi est intransigeant en TVZ, clairement, bah, t'as ce que tu mérites en tant que 16ème seed, mais c'est vrai que c'est dur pour lui. Alors c'est pas un BO5 éliminatif comme à la, éliminatoire comme à l'époque de Lilbo, voilà, c'est un group stage, il va avoir l'occasion au minimum de jouer 2 BO3. Mais il va falloir aller le chercher, tu vois, de ce que tu disais, qu'il avait une haute estime de lui, comme dire j'ai peut-être le meilleur PVZ du monde, tu vois. Mec, il y a Rogue, il y a Dark, il y a Sou, tu vois. Si, peut-être que j'ai le meilleur PVZ du monde. Alors, ok. Je crois qu'il dit l'inverse. Hein. Je crois qu'il dit je suis avec les 2 meilleurs Terran de la planète et le meilleur PVZ. Non, mais justement, en fait, c'est ça. C'est dit en mode j'ai le meilleur PVZ de la planète et je me tape 2 Terran, donc c'est relou. C'est qui le 4ème de son groupe? C'était Nib. Oui, voilà. Mais qui est déjà, qui a peut-être éventuellement de best PVZ player in the world, donc il dit. Genre, ah non, en fait, je pensais qu'il parlait de lui-même. Ok. Non, il parle. Ah, ok, ok. Il parle des gens qui sont dans son groupe. Autant pour moi. Okay. Ah dommage. J'ai un des meilleurs joueurs de PVZ de la planète, puisque du coup sur le système WCS, bah, il faut être bon en PVZ, hein, forcément, puisqu'il y a beaucoup de Zerg. Et puis les 2 Terran, voilà, TY, Maru, on les présente plus, quoi. Non, effectivement, Nib qui a mis la semaine dernière un petit 3-0 à Serral comme ça, hein. Personne ne s'y attendait. En quoi il l'a tapé à 3-0? Sur le tournoi Star Ladder. C'est un tournoi online, mais avec un bon $20 000 sponsorisé par Blizzard. D'accord. 6 mois à 0 regret, big up Jex. C'est beau ça. Bah oui, c'est mignon. C'est tout à fait mignon. Et lui aussi il est mignon. Regardez, Taeyang. Le mec est passé de j'ai gagné à peu près $50 000. Oh, $200 000. Le mois d'après, oh, $200 000 autres. Oh mon dieu. Mon compte en banque, que se passe-t-il? TY qui aura mis 10 ans tout simplement à gagner son premier tournoi solo. Mais au moins il l'a gagné, hein. Beaucoup n'ont jamais gagné. Il en a gagné 2, et puis il a pris 2 tournois avec excessivement massive Tunas, Pépetas, comme on dit dans le hood. Et donc du coup, bah voilà, hein, TY qui fait partie des grosses menaces. Alors le truc c'est qu'il est éclipsé par un Maru, hein, qui voilà, est très bon. Maintenant c'est peu de le dire d'ailleurs, mais TY, on le rappelle, ça pouvait être aussi une des grosses problématiques pour Maru, pardon, c'est que TY, bah, c'est le seul qui a un peu accroché Maru cette année. 4-3, enfin en tout cas en GSL, puisque la dernière finale de GSL c'était Maru-TY et qu'il y a eu 4-3, ça s'est décidé sur la dernière game. Bah, en GSL, il n'y a que 2 joueurs qui l'ont poussé sur la dernière game, c'est Rogue sur un quart de finale où il y a eu 3-2, et donc effectivement cette finale où il y a eu 4-3. Il y a eu 4-3, sinon on était que sur du 1 map lâchée ou 2 maps sur la finale face à Stats, mais voilà, c'est... Après on avait GSL versus The World aussi, qui est un autre événement GSL, même si c'est pas le même, où eh bien, il s'était fait battre par Stats par contre, puisque Stats a été capable de battre Maru, c'était en demi-finale, avant de s'incliner face à Serral en grande finale. Vous voyez les casteurs anglo-saxons à l'écran, Pomf, à ton avis, qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça veut dire qu'ils vont probablement essayer de caster en anglais. J'ai l'impression que cette BlizzCon va être couverte dans la langue de Shakespeare. Je n'en suis pas bien sûr encore, j'attends de voir exactement comment ça part. Mais voilà, après il faut voir que voilà, c'est la BlizzCon, c'est casté dans tous les langages du monde. Et oui. Et voilà, parce que c'est le tournoi majeur international de Blizzard Entertainment. C'est la vie. Donc plus de 567 langages d'ailleurs, y compris l'espéranto. Donc big up évidemment à tout le monde qui suit cette BlizzCon. C'est parti pour le premier match, messieurs les commentateurs. En bas à gauche, en terrain rouge, il s'agit de Taeyang, représentant la team Splice. Et en bas à droite, il s'agit de Lambo. Pour la team Clash. C'est ça, l'une des dernières arrivées en fait sur le circuit Starcraft 2. Mais voilà, on pensait qu'il allait être le fleuron, voilà, de cette équipe. Je pense que t'as un stream ouvert derrière, mon petit gars. Ah non. Eh ouais. Nul. Ah non. Attends. Et si. Nul. LOL, c'est la résistance. Un petit stream smash derrière. Ouais. Parfait. Très bien. On aime. Allez, on est reparti directement sur la caméra de notre cher Yogo Mori. Alors Lambo, TY, faites vos jeux d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a eu un vote qui est parti, qui s'impose entre TY et Lambo, puisque vous avez évidemment le pronomf en faveur de Lambo du côté de chez... Ça marche, le vote est lancé du côté de chez Pomf. Et TY pour moi est encore plus sexy en TVZ que par exemple un Mar ou peut-être un Bion. Genre, c'est... le meilleur multitask de la planète, je pense. Il va trop vite, il balance trop de trucs absolument partout. Je me souviens genre de sa sortie au WELG il y a... Je crois que c'est quand il gagne l'event en fait, je crois du coup c'était 2017 où il arrive face à Stephano et Stephano on dit oh là là, il est trop fort en PVZ, il va trop vite, c'est trop bien. Tu vois, il arrive, il l'avait mis détruit, genre. Allez, là t'as un libérateur dans ta B1, t'as un Elbat dans ta B2, dans ta B3 tu as un cyclone et puis t'as une banshee en même temps qui arrive. Ah là, quadruple front, qu'est-ce que tu vas faire? C'était complètement dingue et il est capable évidemment de sortir ça à n'importe quel niveau de jeu et d'allier bio et BK. Genre c'est là où en fait on joue vraiment que sur la vie, genre les mécaniques un peu pure et dure du côté de chez Maru. TY c'est vraiment la macro machine et la vivacité. Ouais, puis il a aucun problème à jouer le late game aussi, ouais, hein, bah du côté de chez TY. Hein. C'est ça aussi une de ses forces, je pense que c'est valable à peu près dans tous les match-ups, particulièrement en TVP et TVZ. Bah, c'est quelqu'un qui admet le fait d'aller chercher les libérateurs avec la range, de jouer Ghost, de jouer Campy et d'attendre que la game s'éternise. C'est quand même le mec qui, il y a 2 ans, contre Protoss, il faisait des dépôts devant chez lui, plein de dépôts, et faisait Rush Battlecruiser. C'est ça. Genre, pour poser un peu le dieu d'un une idée qui n'est absolument pas valide dans le jeu, lui pourtant la sortait au plus haut niveau. Puis prenait des bases quand même, hein. beaucoup de bases, il joue avec des grands comptes de SCV, hein. On se rappelle TVP justement de cette période là où je crois qu'il montait presque à 90 SCV et il est capable du coup d'avoir une production d'unités late game technologique très avancée grâce à ça. En tout cas là on est en train de lancer un maraudeur, c'est hyper intéressant, c'est la variante très appuyée en fait du push et le bat qu'on a assez régulièrement désormais, voilà, qui est très peu utilisé en Europe mais qu'on voit pas mal utilisé par les joueurs coréens où en fait justement tu rajoutes un ou deux maraudeurs qui ne DPS pas très fort, coûte un peu cher mais tu vas empêcher en fait les queens de fuir face aux Hellbat qui sont très lents et ça te permet de chasser, voilà, du coup tu lances un petit obus incapacitant et tu vas voir de quoi faire, là où le Nichank a lancé du côté de chez Lambo et bien plus tôt que ce qu'il ne l'avait lancé face à Maru hier, comme quoi tu vois. Il sent, tu vois, il a vu les bâtiments lancés, il a fait ah non, toi t'es en train de me rentrer dedans. T'es en train de m'embrouiller. C'est full scouté, hein. C'est full scouté ce maraudeur avec le concussive, mais on va voir s'il va continuer. Il a l'air de vouloir continuer avec, en dépit de ce scout très early, puisque l'armorerie est là. Et on va partir à l'assaut, donc l'avantage de ce move, maintenir les queens en position et permettre aux Hellbat de se rapprocher des fiefs et queens, alors que la musique retentit ici. Entre TY et Lambo, c'est la game numéro 1, le joueur allemand, qui d'ailleurs se montre très agressif sur la carte. Je sais pas si c'est le meilleur de tous les deux, mais le meilleur des moves parce qu'il va se faire complètement sauter sur la gueule et il va même se faire dropper les maraudeurs directement sur le visage, les 3 queens qui vont se faire intercepter. Oh, mais c'est quoi ce move, ce petit encerclement absolument stylé de la part du joueur Terran qui était planqué dans les bush, genre Yogo. Non mais excusez-moi. Pas déjà le Yogo, c'est fini. Mais Lambo, Lambo, mais non, Lambo. Attends, les bannis qui sont là. Non. Bah tu as tué un mari. Lambo, mais c'est stupide. Lambo. Ah, c'est complètement stupide. Attention Lambo. Là ils jouent, hein. C'est peut-être même pas nécessaire, tu vois. On va dropper les battes sur le tout et derrière les lions qui sont en train d'affluer. Genre Lambo en fait qui n'avait pas compris l'étendue en fait du push, qui est sorti beaucoup trop loin avec ses queens. Non mais ce piège. Tu vois, en 8 ans de Starcraft, c'est quand même la première fois que je vois ça. Le mec qui attend derrière des bush, que les queens s'avancent pour les bloquer en lui dropant, enfin en l'encerclant avec des lions et en lui dropant des marines dessus. Mais c'est vrai que là, il s'est fait complètement détruire. Mais c'est du sexy move façon TY. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Ouais, non, mais ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il foutait au milieu de la map avec la queen? Wow, il a cru que c'était un Steam. Il a cru que c'était un early steam, mais ouais, il est connu ce build quand même. Même t'as un mec qui sort avec des lions. Le principe des lions, c'est ça, il trace, puis il vient de cramer les drones. Là, ça n'a pas été ça. Mais du coup, pour te prémunir de ce fait-là, tu restes chez toi. Ou au moins, tu te mets en haut d'une rampe. C'est bien d'être en haut d'une rampe. Non, là, il est perdu au milieu de nulle part. T'as le viking, il fait « Oh, le viking, tu m'as tué un muqueux, je suis fâché, je vais aller le chercher. » Il s'est fait bait. Il s'est juste fait bait par le viking. Il s'est fait banane. Voilà, banané tranquillement par le cerveau psychotique de TY. Qui lui a rentré dans l'art, il doit être déçu, hein, parce que en réalité c'est une énorme erreur de la part de Lambo. Il s'est tué tout seul en fait, hein, tout simplement sur cette game. Sachant qu'il y a de l'anticipation, il y a le banning d'Escala, t'as les queens, tu vois, on lance pas trop drone, on relance un petit set de Zerg. Il est dans le... Lambo qui dit 5.4k, donc 5400 défense, donc il était pas content, tu vois, et l'autre il lui répond non, I got lucky. TY qui lui dit non, me lucky. T'es gentil de pas lui dire. Là t'es un mec vilain, tu lui dis ah ouais, j'avoue, t'as pué la merde en vrai. Tiens, avant qu'on passe sur notre écran rapidement, est-ce que tu peux aller dans les options son, musique en continu et couleur? Je suis sûr qu'on peut mettre les couleurs plus fortes. Couleurs. Ah oui, à 11. Non. Ah non, elles sont déjà à 11. Ok. Voilà, pour être certain, pour que ce soit bien plus clean, et puis au moins là on aura de la musique en permanence. On va partir sur la game numéro 2. Oh, il faut que Lambo, pour exister encore dans cette BlizzCon, faut qu'il reset tout simplement, qu'il fasse ok, on reboot, tranquille, j'appuie sur le bouton, je me prends 5 secondes, je réfléchis, parce que effectivement là je me suis fait banane alors que j'avais tout vu, je n'avais aucune raison d'être dehors, j'ai fait nimp. Et du coup, bah, TY qui prend la game, hein, TY qui prend la victoire, il va pas reculer en disant ouais mais là tu t'es planté, t'as pas lu le truc. Non, TY aussi, il vend tout ce qu'il a pour essayer de passer en quart de finale. Ah bah on a clairement assisté à la game la plus violente de ce tournoi, je crois bien. Voilà, même déjà en termes de rapidité, c'était hardcore. En tout cas voilà, c'est le genre de game oublié. Ça... Effectivement. Ça arrive à absolument tout le monde. Rogue, il a bien perdu la première et a remporté le 2 face à Special hier. Va-t-il remonter ici, en haut à gauche? Il est là pour l'Allemagne. Il s'agit de Lambo. Ouh, il n'y a pas eu d'erreur. Tout à l'heure, ils ont mis TY en premier. J'ai eu peur. En bas à droite, Taeyang, le joueur coréen, demi-finaliste l'année dernière, pardon, à la BlizzCon 2017. Est-ce qu'il peut passer en quart de finale? Pour ça, il faut s'imposer face à ce joueur Zerg. Une game dans la besace. Et là, on a une carte qu'aucun joueur Terran, normalement constitué, j'avoue, aimerait jouer. Elle est beaucoup trop dense. Je me rappelle, toi, t'entendre parler de cette carte-là, je crois que c'était même pendant le cercle, même quand je gagne contre un Zerg sur cette carte-là, je suis déçu parce que ça veut dire que j'ai gagné contre un branquignol. Contre un bolos. Contre un bolos, quelqu'un qui n'en valait pas la peine, voilà, d'être battu. Non, c'est une carte qui est très compliquée, mais ça atteste peut-être ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que TY n'a pas peur d'aller chercher un macro-game. Il n'a pas peur de camper. Et effectivement, c'est une carte du camping. Si tu veux jouer agressif, non, la carte est trop grande. Si tu veux jouer genre mid-game, non, tu vas te faire run-by. Par contre, si tu veux camper sur ton île, on rappelle quand même que c'est la fameuse game des 1h15 de Clem contre Denver, en underdog. Oui, c'est vrai. Une fois que tu es sur ton îlot là et que tu ne sors pas, le Zerg ne peut pas attaquer. Certes, mais bon, après sur 4 bases, à un moment donné, il faut t'étendre quoi. Il faut réussir à prendre une B5 et là ça redevient compliqué. Mais effectivement, tu l'as mentionné, hein, la base centrale là, cette base sur la hauteur qui est ultra importante dans le fait de tenir tout simplement face à Zerg sur cette carte, sinon les run-by sont juste trop incessants et ça devient impossible de gérer la pression. On va voir comment Lambo arrive à s'en sortir, puisque du coup dans les vétos, je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas ce qu'il a voté, ce qu'il a la veto plus que Paracité, le bon TY a mentionné d'ailleurs que Paracité n'était pas dans le pool GSL. Donc c'est une carte qu'il a beaucoup moins joué TY, alors que Lambo la joue. Forcément, carte du coup, full la leur. Ok, on est parti sur la carapace pneumatique, c'est un réflexe Zerg, je dirais, sur les grandes cartes du map-pool. Tu vas scouter. Plus la dernière game, il s'est quand même fait arnaquer. On pensait qu'il avait compris, finalement, ça n'était pas le cas. Donc là, tu veux être au courant, tu veux savoir en fait ce qui se trame et tu envoies donc voilà, tes dominants scouter de manière complète la carte. Et là, est-ce qu'il ose refaire le même? Ça serait genre... Attends... Mec, il peut pas. Epic disrespect, hein, s'il lui refait la même. Non. C'est genre, t'as été sacrément nul quand même sur la gestion de mon build, donc du coup je vais peut-être te refaire. Ouais, je pense pas que ce soit ça du coup. Hein. Le maraudeur est trop late là. Ouais, c'est ça. Maraudeur et le conflit pourrait déjà penser. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il garde autant de ressources? Il fait un 3ème CC? Il va faire un 3ème CC, mais il a trop de gaz. Ouais, tu fais 4 minutes. Concussive. Non, c'est un fake. Ouais. C'est 100% un fake. Et là, il va y avoir la panique. Mais c'est le même build! C'est le build. J'ai perdu en 5 minutes. Et regarde où il est là. Non, le balines. Je le fais encore plutôt en 4 minutes. Je vais me faire attaquer. Non. Et taper la carapace pneumatique pour prendre une information qui finalement est la fausse. C'est génial. Parce que tu t'es fait man game. Et 3ème CC comme je vous le disais du coup. Non, mais il est dans sa tête déjà. TY, il faut pas oublier en fait l'avantage et l'impact que ça a de se faire brain comme ça sur une première game. C'est que nécessairement en fait ce en quoi tu as confiance, c'est-à-dire tes propres instincts, tu dois normalement faire confiance à ce genre d'instinct quand tu joues à Starcraft, mais quand tu t'es fait autant démolir sur une erreur de lecture sur la game 1, bah tu remets en question ce genre de choses. Et donc du coup, ouais, je l'ai vu, j'ai payé l'overlord speed, j'ai vu son truc, c'est sûr c'est ça, vite faut que je fasse des... Regarde, il fait des bailing défensifs le gars. Yassi et Lyon, genre ça se défend avec 2 queens ennemis en 2018 de Cielion. Oui, bah voilà, genre avec ça, ça suffit. Tant que t'as le Zerg derrière, alors qu'on est en train de lancer un corbeau et je suis même pas sûr qu'on soit sur de la bio. Hein. Je pense qu'on est complètement sur du mecha. Il y a un Libé qui est parti aussi. Hein. Ouais, il est complètement parti, il est complètement au sud. Okay. Et le tir 2 qui a lancé. Du coup, là, tu vois pas le push arriver, tu fais ah, je me suis peut-être fait banane, mais tu ne sais pas dans quelle mesure en fait. C'est quoi la suite? Est-ce que le gars il a pas. Non, enfin t'as toujours pas vu l'unité aérienne arriver pendant qu'on est en train de faire une petite diversion, les lions qui vont s'infiltrer ici, aller cramer quelques drones pendant que le libérateur arrive ici, quand une petite fleur, bon, attendu par ce sport-là. Très bien réagi, ah ouais. Hein. Ça c'est propre hein, de la part de Lambo, en plus c'était un shift flick de la part de TY qui va siéger malgré tout, il prendra un drone et il va perdre son libérateur. Belle défense de la deuxième phase de l'agression de TY par Lambo. 5 drones tombés mais c'est en majorité hein, les lions qui se sont occupés de ce travail. Et le call mecha de l'ami Yogo qui se confirme, puisque 2 usines supplémentaires et 2 armureries, comme chacun le sait, ouais. Ça veut dire méca méca cette histoire. C'est intéressant, hein, Lambo, c'est un bon joueur de Soramost aussi. Hein. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va avoir à proposer face à TY, qui est l'un des rois de la macro-game, qui est l'homme qui lance le plus vite des stations orbitales dans le game, dans le Starcraft de game. Ah ouais, c'est n'importe hein. Quoi. Dès qu'il a 400, c'est passé la B4, dès qu'il a 400 de minerais, t'as l'impression que c'est base. C'est chacune des bases sera pourvue d'une PF et de 4 autres stations orbitales autour. Hein. Lui, ça lui coûte à peu près 2002 minerais, 300 de gaz d'expand. C'est n'importe quoi. Pendant qu'il est en train de faire double... Oh, on n'a pas compris. Aïe, aïe, aïe. Lambo, il est en train de faire double grade Zergling. C'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Il tente de prendre l'information parce que justement, il est dans le doute. Mais là, tu ne vas rien voir. Tu ne vois que les lions. Mais attends, vois... Est-ce que parce que tu vois deux lions de plus... extracteurs aussi, mec. Hein. Des extracteurs de la B3 à mon avis. Ouais, regarde. Ouais. Transition instantanément. Ambiancé, juste là, on ne change pas les upgrades, donc on est peut-être pas genre... Certains 100%, on se dit, bah, allez, ça me servira pour des bendings. Après, tu vois, je pense qu'il y a une notion de... Même si tu fais face à Mecha sur cette carte, je sais même pas si t'es obligé de jouer... Ah si, quoi, tu vois, il a annulé mêlée, il est parti sur les upgrades de range. Ok. Maintenant, il a confirmé que c'était Mecha, mais je suis en train de me dire, je pense qu'il y a d'autres manières, en fait, de répondre à Mecha sur cette carte, simplement parce que... C'est justement Paracité, c'est une map qui te permet de jouer différemment d'autres cartes, même pour faire face à Mecha. J'ai vu une fois le contre de Mecha le plus stupide que j'ai jamais vu était par Dark, qui en fait a fait un roach, beaucoup de Zerglings, quelques bains, et tu te dis mais c'est nul contre Mecha. Il a attendu que le terrain avec 200 de pop Mecha sorte, et au moment où il est sorti, il a run by 50 lings. Bah ouais. Mais quand t'as 200 de pop, t'as 0 prod, t'es là, mais c'est nul, mais ça marche en fait. Bon, j'essaie de le faire en ladder, je n'ai jamais réussi à reproduire, hein. Je le lis tout de suite. Mais ouais, non, tu peux éventuellement jouer sur la distance, jouer sur les contre-attaques, jouer sur le Mutalisque. Là, c'est l'option Swarmos qui est développée, mais qui n'a pas été lancée aussi rapidement qu'escompté. Et là, est-ce qu'on est en mesure de gérer ça déjà? On n'a pas grand-chose, hein. Sur 4 hydras, 9 cafards. Ouais, et les Swarmos sont en train de sortir, mais ils sont un peu late. Hein. Donc là, il y va avec tout ce qu'il a depuis le début de la game, c'est-à-dire les quelques bendings qui ont été utilisés, le Shredder Missile qui va être utilisé sur les Roach, la micro du Thor dans le Medivac, TY, tout à fait précis sur cette séquence. Je pense qu'il aura de quoi défendre. Le problème, c'est que c'est déjà vachement coûteux pour le joueur Zerg, mine de rien. Oh, cette récupération de Zerg. À aucun moment, je pensais qu'il allait récupérer le premier. Ça se joue à une petite fraction de seconde. Ah, mais c'est Titi, ça. Hein. Par contre, il a quand même donné beaucoup hein, sur le bilan. Non, ça, c'est les APM. Un peu plus de pertes côté là, mais regarde-moi cet écart de pop. Fais voir Shiftel là. Il n'y a pas de gaz hein, perdu. Il n'y a pas de gaz perdu contre les 375. Oh c'est les Élions qui ont été. C'est les Élions qui donnent beaucoup de ressources. La flamme bloquée n'est pas terminée. C'est bien. Le premier harcèlement de Swarmos qui va prendre place. Ok, il est sur le dépôt, il s'est pas fait appâter. Ok. Non, il ne prendra pas le tank là avec les Hellbat à côté. Dommage. Bon, au final, la carte est grande, c'est pas comme s'il était sur le point de se faire contre-attaquer instantanément. Il va falloir d'abord réparer le Thor, remettre les Hélions en place. Puis ça y est, ça commence à prendre des bases. Hein. Là, je peux te dire, d'ici 30 secondes, tu vas revoir 2 bases ici supplémentaires. Mister Titi. Allez, on est en train de faire les Ravagers. Là, ça va être le moment d'échanger en fait. T'as un 200 de population. Ouais. Roach Ravager avec quelques hydralis histoire d'être sûr de pas te faire bolosser par une petite banshee et t'as du Swarmos. Tu échanges, tu prends des bases, tu vas chercher ton tier 3, voilà comment il devrait déployer son style de jeu. Un petit détail intéressant quand même Yogo, les spine crawlers qui sont en train d'être produits de la part de Lambo, hein, qui se rend bien compte qu'en étant très agressif sur la carte, il va du coup se retrouver exposé par rapport à des run-by de Hélions. Hélions qui ont en plus la flamme bleue, donc proposé de la petite défense statique. Je suis assez fan de la part de Lambo qui ça y est va avoir l'initiative, la première vague de Swarmos et les tanks qui sont très très vulnérables sur le côté droit. On va en perdre 2 gratuitement, la bille corrosive qui va tomber, c'est quelques Hellbat qui vont en subir le Kourou. Par contre on a pris un coup de Mithril Shredder, là il faut reculer je pense. Mais c'est pas vilain, c'est un bel échange, on arrivera à vrai sans pas avoir la base. Ouais non. Non mais il échange bien. Le trade est plutôt correct pour le moment. Les Swarmos vont pouvoir recharger d'ici une petite vingtaine de secondes. Et voilà l'écart de ressources que tu nous montres qui s'est remis dans la faveur de Lambo. Le seul truc, c'est que le Terran, il a confortablement installé sa quatrième base. Par contre, on a gagné du temps en fait sur... Regarde, on n'enchaîne pas bien les upgrades, hein. C'est parce qu'il est mis sous pression, TY. Hein. Ouais, c'est aussi peut-être une des grosses zones d'amélioration possible de TY. Hein. C'est quelque chose qu'on remarque assez souvent dans ces games, qu'il est un peu lent sur ça. Attention, attention, l'engagement qui est pas trop mal ici, les balles qui font pas mal de dommages, mais les Rogue Ravagers qui avec leurs quelques milles échangent une nouvelle fois. On voit, tiens, on voit rien de déterminant de la part du joueur Zerg, tu as pas gagné là-dessus, mais tu échanges, et tu vas faire une banque qui éventuellement, à un moment donné dans la game, va te permettre de faire une reprod, genre 15 Broodlords qui vont complètement prendre par surprise le joueur Terran. Parce qu'un joueur Terran qui a autant d'économies, si tu le fais 1, 2, 3, 4 Broodlords, il va les voir venir, il va s'adapter. Mais si tu fais une reprod, genre d'un seul coup, alors là, non. 83, 86 ouvriers quand même. Non, il a arrêté d'en produire. Non, il refait. Voilà, 88 ouvriers bientôt pour TY. Dans la plus pure tradition de l'ancien Terran, de chez Katie. Attention, la build coordonnée bien tombée sur le Medivac. Le dodge à la dernière seconde. Quel talent! Ça joue très très vite. Il y a 4000 Lincom par minute là? Oui. Oh là 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 là. Il y a 4000 Lincom du côté du joueur Terran. C'est complètement scandaleux. Attention, le Tor qui se fait surround sur ce coup là. Le Tor qui va tomber ainsi que quelques SCV. Un tank derrière qui se fait récupérer. Les ravageurs de Lambo qui s'approchent une fois de plus. La build corrosive qui connecte avec les tanks. On va en faire tomber deux de plus. Quoique, il regarde pas trop ce qui se passe là, je crois qu'il est en train de se faire run dice pour ça, mais je sais pas si c'est le meilleur trade de tous les temps. Ah non, c'est un libérateur qui est en train de faire du dégât là. C'est ça, mais franchement il a pris beaucoup de temps, qu'il a repris des torts, c'est cool. Maintenant, voilà, tant qu'il ne perd pas les soirs, moi c'est bien, il remplace ses Roach Ravagers. Alors Roach ça ne coûte pas très cher, mais les Ravagers par contre si. Là c'est ce moment où honnêtement, si t'avais une petite spire. Une petite spire. Si t'as une petite spire là. Petite spire des familles. S'il avait refait, au lieu de refaire ses 20 cafards, tu balances 20 mutas et il avait les thunes, c'est game over. Par contre, bon, s'il se trouve qu'en fait le Terran il avait lancé 2 torts à ce moment-là, tu te serais retrouvé un peu banané. Et encore, on a-t-il besoin d'un engagement avec les Lambo? Il va être excellent. Il va peut-être réussir à prendre la mécanique. Là, il est complètement en train de la percer. Lambo qui va tenter. On a remis les tanks dans les Medivac. Hein. Du coup, on essaie de micro tout ce qu'on peut. Mais cette masse de Rothschild Ravageur qui est peut-être en train de faire la différence ici, Yogo. On est en train de briser cette P4. Les tanks désiégés qui sont micro un maximum. Oh, attention, la micro-rosine qui était pas loin des Medivac, mais on est obligé d'évacuer la P4. Et là, les 86 SCV, ils apportent rien. La reprod qui est colossale. Les quelques derniers torts, alors que les Swarmos vont recharger d'ici quelques instants. Lambo qui égalise dans ce match après s'être fait démolir Game 1, il reprend le contrôle. Mais il ne comprend rien ce qui se passe dans la game, malgré le fait qu'il paye un truc qui coûte très cher, qui s'appelle le speed over. Et derrière, genre, il fait la game parfaite. Genre de la première vague de Locust à la dernière, elles ont toutes été efficaces. Il a échangé avec, jusqu'à ce que le Terran n'en puisse plus. Et puis, on l'a vu, hein, c'est genre, bah ça fait des erreurs de macro, genre ça enchaîne pas sur le 2-2, le mec il a 86 SCV, il en relance alors qu'en fait il lui faut plus de population, pas plus de SCV. Non, Lambo qui a mis une pression dantesque dans cette game-là, et qui, bah en fait, qui met TY une carte de l'élimination. Parce que Lambo y est, mais on pouvait s'y attendre, c'est un challenger dans ce tournoi. Par contre, TY non. Demi-finaliste l'année dernière. Finaliste quasiment. Il était à très très peu de battre Rogue. Hein. Dernier demi-finaliste de, enfin finaliste de GSL. Pas plus tard qu'à 2 mois. Alors Pomf, je te voyais prendre le micro. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non, pas du tout. Ou alors juste, je vous l'avais dit. Je suis très content du niveau de jeu aujourd'hui. C'est vraiment de la beauté. J'aime Starcraft. J'aime le skill. Vive le jeu vidéo. Et vive la France. Vive le jeu vidéo. MDR TY, ça met directement dans le chat. Ah là là, MDR, les vilains, les vilains, les vilains. Ouais. Mais bon, le truc, c'est qu'il a un style de jeu qui, à mon avis, paraît logique d'un point de vue... Enfin, en tant que Terran, tu te dis, s'il y a une map sur laquelle camper avec 90 SCV en jouant méca avec double armurerie, Paracité, c'est pas dégueule. Bah ouais, mais ça a foiré. Genre, son ouverture, elle n'a rien. Il avait pris quoi, 5 drones peut-être? Non, 5, ouais. 5 drones, métal libérateur qui est donné gratuitement. Voilà, c'était pas une ouverture extraordinaire, même si derrière il arrive à tout se développer. Il avait quand même bien arnaqué sur le man game Pépère Lambo, mais ça n'a pas été suffisant. Genre, il s'est fait maltraiter. Hein. Maltraitax. Maltraitax. Le Zerg, il a posé ses drones, surtout, c'est la cadence d'enchaînement. Là, tu vois, Lambo, ça me rappelle justement les games de Serral il y a quelques temps. Hein. Genre, en termes d'exécution, de précision. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur autre que Serral, tu as joué aussi bien en termes d'enchaînement, de j'en ai une pour toi. Pression constante. Oui. GBS, c'est vraiment trop laid, Zerg, 3 petits points, du à clic et basta. Tu as quelque chose à répondre? Est-ce que je suis log là? Est-ce que t'es log dans le chat? Le goal ban direct. Le hacklick, Cosby il est pour Lambo. Tu dois répondre avant le ban. Le mec il a 500 d'AP. Mais que tu crois qu'il fait 500 hacklicks par seconde? Hein? Calme-toi! Calme-toi donc! Calme-toi. Ah là là! Pimpon, pimpon, pimpon! Attention, le mec qui se fait run by, il lance sur la B3. Ah, il y a le libérateur sur la B1. Je décale la queen, les drones, je replace le sport ruler. Ah, il y a les lions qui reviennent de l'autre côté. Vas-y, multitask. Allez. Banguiman, eh bien, je ne pense pas. Mais ça se trouve, hein. Ça se trouve. Ça se trouve. On ne sait pas. La stratégie de coaching étant, bien entendu, de lui rappeler qu'il serait bien meilleur avec 6 collecteurs. Et du coup, Serral lui dit « Bon, écoute, je vais gagner avec 12, comme ça tu seras heureux. » Et en réalité, ça marche très bien. Ouais. Parce que 4 saisons WCS enchaînées de la part de Serral, c'est quand même pas dégueul. Alors, TY face à Lambo, on ne s'y attendait pas. Et pourtant, il y a 1-1, on est à une game de l'élimination. Ça serait incroyable, parce que TY, genre, sortir maintenant. Donc du coup, joueur doublement titré, demi-finaliste l'année dernière, là on le retrouve en finale de GSL et se faire sauter par un humble Lambo, voilà. Non, non TY, non TY. Mais Lambo, il est en train de montrer qu'il est, il est là pour jouer dans la cour des grands. Oh la vache. La fatigue. La fatigue de Yogo Mori. Oui. Allez, on va partir dans quelques instants sur la game numéro 3. Vous le voyez à l'écran, le joueur Teuton qui vient d'égaliser. Il joue sa dernière chance dans cette BlizzCon. Le challenger va-t-il sortir en 4ème place ou sera-t-il capable de faire tomber le demi-finaliste de l'édition 2017 de cette BlizzCon? On part d'ici quelques instants dans la game numéro 3 et on verra si le style de jeu sera différent. C'est TY contre Lambo, Hugo. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Elle m'a régalé. Moi, en tant que Zerg, je me suis régalé de cette dernière game. Voilà, même si j'aurais aimé avoir tué la game de 58, un peu comme tout le monde. En tout cas, elle est là, en haut à gauche. Le grand challenger de cette compétition qui, pourtant, est en train d'éliminer l'un de ses favoris. Il s'agit de Lambo. En bas à droite, nous sommes sur Dreamcatcher. Il s'agit du Terran rouge représentant Spicy Sports. Give it up for TY. Et aucunement question de Proxyrax. Hein. Là, dans cette situation-là, Maru serait déjà ici, prêt à installer un bunker devant le bully de Monsieur Lambo, mais il n'en est rien. TY, roi de la macro-game, roi du multitask, mais qui là, non, voilà, il a réussi à bolosser Lambo sur la première game. Et c'est un truc qu'on n'a pas relevé. Lambo, il se fait détruire mentalement et dans la game en 5 minutes sur la première, et il est capable de te faire une, bah ouais, une game de calibre BlizzCon sur la seconde. Non, franchement, le mec a été tout à fait sexy et solide, le bon Lambo, de pouvoir se remettre là-dessus. Alors, encore une fois, hein, je trouve qu'il y a une espèce d'anomalie dans le fait qu'on ait joué Paracité, mais voilà, il avait un plan pour cette carte, TY. Le problème, c'est que ce plan a été parfaitement contré par un Lambo bien en place, et tu l'as dit, avec une agression sans relâche, en permanence dans la face de son adversaire, et c'est exactement comme ça qu'il faut jouer face à TY, parce que quand on joue avec 85 SCV, le moment où on se fait gratter deux fois de suite le peu d'armées qu'on a été capable de reproduire, au bout d'un moment on se brise, et c'est exactement ce qui s'est passé sur Parasite. Ouais ouais, on s'est fait prendre à son propre jeu. Ici TY, le faucheur qui ne récupérera pas de kill, gestion de Lambo efficace, on planque le drone dans le spoiler. Wow. Et bah voilà, on va prendre ses responsabilités. Alors j'ai envie de dire, c'est ça qu'on veut du road Zergling, Yogo. Alors j'ai envie de dire, tout push roach sur Legacy of the Void est nul à chier. Genre c'est nul les push cafards. Donc là tu vois, je me dis, alors qui plus est sur une carte avec une rampe. Maintenant, parce que c'est nul, le Terran ne s'y attend pas. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il peut peut-être le faire sur cette carte-là quand même? C'est que le faucheur n'a pas accès à la base principale, sauf passer par ce petit promontoire. Donc tu te dis que tu vas cacher ton information, mais genre c'est Cosby. Alors je l'ai déjà vu fonctionner. Qu'est-ce que t'as vu? Je l'ai vu principalement échouer. Ce BO. Oh là 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 là, il est vraiment en train de lui faire ça. Alors il y a un T-Clap, mais il y a des marines. S'il fait un Elbat push. Non. Le libératoire fait tellement du bien, mec. J'ai envie de dire que. Pas forcément, parce qu'il y aura des ravageurs. Bah ouais. Du coup c'est peut-être de la merde. Vu que c'est pas une Banshee, genre, c'est pas terrible. Hein. Maintenant, faut pas oublier, c'est un push. Il y a pas de gaz et hydrone derrière. Du coup, il y a pas de ravageurs. Donc il y aura pas de ravageurs. Donc je pense que le libératoire est censé gérer ça. Et là tu les vois super tôt en plus. Est-ce que t'es capable de lancer des cyclones? Voilà, t'en lances un avec le gaz qui te reste, le maraudeur qui va d'être lancé en urgence. Tu nous fais un wall d'urgence le temps que le libérateur sorte et je pense que t'es bien. Ouais. Tu grattes, tu fais perdre du temps. Suffit que le Libé se siège à cet endroit-là. Le Libé qui sort pas, le Libé qui est tellement loin à produire. Le Libé qui est tellement loin à produire, il va faire mal avec ça, Lambo. Lambo, ce road gerling des familles là qui est en train de faire du dégât. Le libérateur qui met tellement de temps à sortir, incroyable du cul. Attention, les civiques sont en train de se faire laminer. Voilà, on se fait bloquer la porte de sortie. Le but c'est de prendre des civiques, mais attention de ne pas les ramener trop tôt. Ça permet à Lambo d'en récupérer 6 parce qu'on veut faire vite du côté de TY pour reprendre la récolte. Genre, est-ce qu'on est rentable sur l'agression? Je dirais évidemment non. Voilà. Les chiffres parlent, par contre on lance du drone et le terrain n'a pas B3. La problématique là maintenant c'est comment est-ce que tu gères cette petite pop, cette petite squad. On va voir ce qu'il va être capable de faire dans la défense de cette pop dont tu parlais effectivement. Il n'y a pas de speedling hein. Il n'a pas le speedling, il a que quelques routes, il a ressorti quelques routes quand même, il en a voilà, 3 sur le terrain, il y en aura bientôt 5. Oh là. Bah du coup c'est gratos hein. Du coup la défense elle est déjà faite. Lambo il est pas trop mal hein. Lambo il est pas mal dans cette game. Ah ce push, mec s'il donne ses unités, il est trop mal TY. Ouais par contre si on récupère du drone en contrepartie, à la limite ça pourrait être cool. Le libérateur par contre qui est pas du tout anticipé, pas de scroller. Ouais. Il n'y a pas de sport dans cette base. Et on chope déjà 7 drones, du coup on est... Ouais il a complètement limité l'écart d'économie. Hein. Et là maintenant en plus il sauve le libérateur. Maintenant on est à 35 ouvriers contre 45 et avec l'income des 2 mules supplémentaires alors qu'on a lancé le 3ème command center, TY qui a limité la casse. Cette game est encore jouable pour les deux camps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, Lambo il se précipite vers quelque chose où il prend l'avantage, où il prend l'initiative. Et ça, c'est important. Parce que si t'es le jeune joueur qui dit, bon, du coup, je suis contre quelqu'un qui est plus fort que moi, je vais attendre de voir ce qu'il m'envoie dans la gueule, le problème, c'est qu'il va t'envoyer une patate en plein visage et tu vas tomber KO. Là, en l'occurrence, on a un Lambo qui arrive avec des velléités offensives, des velléités de ne pas se faire rouler dessus. Et j'apprécie ça d'un point de vue simplement tactique. Je trouve que c'est intéressant ce que fait Lambo. C'est ça, il lui cherche le petit taquet dans l'autre jambe. Hein. C'est une stratégie pas très fair dans un sens, mais t'es là pour surprendre et pourquoi pas. Ça semblait bien, mais la contre-attaque par contre lui a fait très très mal. Mais comme tu l'as dit, le bilan c'est qu'on est sur une game équilibrée comme toute game en fait, qui est ouverte de manière un peu bordélique. Tu reviens sur du cafard en morse. Alors mauvaise pioche dans le sens où on n'est pas face à du mecha. Par contre un bon push cafard, roach, ravager, même contre bio, quand ça arrive vite et qu'il est à la masse, t'inquiète que ça peut faire mal. Ah oui. Surtout si t'es dans un délire, ouais bah, je vais multitask le mec et que t'as 3 medivacs sur la carte. C'est-à-dire qu'il te manque une petite vingtaine de marines et 3 medivacs. Et là soudainement tu te fais burster au niveau de ta B3 et tu te dis mais pourquoi j'ai perdu la game? Bah parce que le mec il a maxé sur Roach Ravager, que c'est une composition qui se produit très très vite Yogo, et qu'avec ça on plie des games. Lambo qui est en train de se diriger donc vers cette timing attack, vous voyez le 1-1, vous voyez le Roach Pit qui est en train de se terminer en haut à gauche sur votre écran, et bien c'est ici je pense le timing que va tenter d'essayer de claquer le joueur allemand Lambo, alors que du côté de chez TY on n'en est pas forcément conscient pour le moment. Il pourrait lui arriver des noises, hein, TY, s'il est trop sur la carte, il pourrait se retrouver dans une situation très problématique. Hein. Bah, en allant harceler, il va essayer de récupérer de l'info. Là, tu vois des cafards, mais c'est peut-être ceux du début de partie. Genre, t'as pas conscience en fait de ce qui est en train de se passer. Le libérateur qui ne va pas nécessairement voir des cafards non plus. Là, par contre, les marines, si. Ok, il va falloir gérer ce drop. On est avec les ravagers. Ok. Le mec, il est déjà sur la carte. Hein. Ouais. Il est déjà sur la. Là, tu dois savoir qu'il y a un problème. Là, tu recules là. Alors tu peux essayer avec la concave supérieure de te mettre derrière les cailloux, mais il là, est loin le bouclier de combat. Hein. Ouais. Le bouclier de combat est loin. La reconstruction liale, donc la speed des roads. Pendant qu'on a des drones qui sont en train de tomber, je pense que c'est le libérateur qui a dû trouver une petite opportunité. TY qui est toujours très très bon, hein. Rappelant un petit peu par là même un jeune joueur français qui s'appelle Marine Lord. Voilà, Alexis Ozobio, au cas où vous n'étiez pas au courant, il a été récupéré par la Timo Gaming et ça va très très bien se passer l'année prochaine. Attention quand même ce libérateur qui va faire pas mal de dégâts supplémentaires alors que le go du joueur Zerg est en train de s'approcher. Pour l'instant on a fait tomber les cailloux Yogo, on gagne pas mal de temps côté TY. C'est ça, on gagne du temps entre le caillou et le libérateur. Ceci étant dit, on a que 3 temps. On y va du côté de chez Lambo. On s'est fait accro sur le barreau. Allez, il est obligé, les Ravagers qui sont là, qui balancent des billes, on a réussi à se débarrasser des tanks, mais on en a encore 3. Oh là là, le câlin de la mort qui a été infligé de la part de TY, qui du coup a utilisé ses SCV hein, pour avoir un petit peu de buffer, un petit peu de tank devant, pouvoir prendre des dégâts. Certes ça lui a coûté de l'économie, mais il a complètement remis à zéro, reset cette agression de Lambo. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la barre de production, il n'a pas grand chose de plus à faire valoir, le joueur allemand. Ouais, bah, ceci étant dit, voilà, il y a l'armurerie. L'armurerie quand même qui a été retardée, on était concentré à gérer ce push qui fait que le 2 n'a pas été enchaîné. Alors oui, il ne l'est pas du côté Zerg, mais ça veut dire que t'as pas un timer sur ta tête où tu vas te faire complètement éclater pour une upgrade. Là on est en train de jouer l'embrouille. On va dire ok, peut-être qu'il va faire un petit peu de zèle justement TY, qu'il va partir à la contre-attaque comme ça et qu'il va laisser sa base d'épreuve défense. Il a quand même 3 tanks, mais on peut peut-être en récupérer. Voilà, t'en récupères un, c'est cool hein. C'est cool, là tu... C'est pas trop mal. Donne, quoi, il va donner un cafard peut-être? Même pas? Même pas. Ok, très bien, ouais, bien fait. C'était très très rentable effectivement. Pendant ce temps la TY est sur la carte, en train d'essayer de se débarrasser d'un maximum de creep. Il y a un route ici qui va donner son petit bully sur ce steam à clic de la part de TY qui va reculer et qui enfin lance son plus d'attaque. Il faudrait lancer plus d'armure aussi, mais il manque un petit peu de ressources pour le moment. Ouais. On balance également une deuxième usine. C'est ça, je la cherchais, elle est complètement ici. Attention, on engage de l'autre côté. On balance les billets civiques qui sont ressortis pour la deuxième fois déjà de cette partie. On a du mal à atteindre les tanks qui sont toujours au nombre de 3 ici. Ah, on s'enferme du côté de chez Lambo. Oh, la ville qui a connecté là hein. Ouais. Mais attention, est-ce que cette fight peut être prise? Est-ce que je suis pas convaincu? À égalité d'upgrade, c'est compliqué hein, d'aller se coller comme ça contre les routiers, les ravageurs. Lambo qui va dans cette game ne pas du tout aller vers une stratégie orientée de 2 hein. Là il est full all-in, j'aime beaucoup ce Medivac là, en boost directement sur la gueule hein, des routiers, des ravageurs pour savoir quand le joueur Zerg s'approche. On voit qu'il se met en concave, on voit qu'il a des velléités de continuer d'attaquer. La vision qui est très très importante. Knowledge is power dans Starcraft 2. Et là il est au courant que le joueur Zerg est en train de jouer son Vatou. GG. Défense de TY et 2 à 1 en faveur du joueur Terran. C'était tendu quand même hein. C'était tendu de ouf, franchement son BO il était sexy genre. Dommage que, parce que tu n'as pas le speeding, alors c'est normal de galérer un peu contre les lions, mais il se fait avoir sur le split libérateur dans la main et lion, tu vois, s'il subit les dommages que d'un des deux côtés, je pense qu'il aurait été devant, là il avait un petit peu de retard et derrière il se force, tu vois, à partir à l'agression, ouais. Il perd du temps sur les marines en milieu de carte, il perd du temps sur le caillou, il perd du temps parce qu'il y a un libérateur en plus chez lui, genre il s'est passé trop de choses et de par la pression de ce match-là, j'ai l'impression qu'il s'est un peu effondré, pardon, par rapport à la deuxième game qui était parfaite, voilà, par rapport à la dernière, enfin la deuxième game qui était parfaite, celle-là, genre, c'était bien et avant, genre, il se passe trop de trucs, genre. La peur de gagner peut-être, comme on dit. Ouais, et puis peut-être la volonté de finir aussi. Ne pas laisser la game durer. Dire ok, attends, là on part dans un truc un peu plus standard. Merde, faudrait que je termine le plus rapidement possible. TY et Lambo hein, qui vont quand même échanger une poignée de main fraternelle entre pro-gamistes. C'est légitime, mais Lambo nous quitte. Il est le premier éliminé de cette BlizzCon édition 2018. Alors voilà, hein, c'était probablement un des joueurs les plus faibles de cette compétition, mais au final il aura fait suer TY qui, on le rappelle, était en demi-finale l'année dernière. C'est ça, faible ne voulait pas dire ridicule, comme quoi il n'a pas volé son top 8, même si à la fin il l'a récupéré grâce à finalement un Raynor qui n'avait pas su battre Serral. Quand tu vois la prestation qu'il fait là, tu mets ta carte à TY, t'es pas ridicule contre Maru, ok, non, franchement, gros GG à Lambo, ça promet, voilà, c'est le genre de joueur qui, ouais, c'est pas les plus gros noms de la scène, c'est pas un leader qui a déjà gagné son event WCS et tout ça, qui a déjà fait sa demi-finale, au final, il lui manque plus qu'à ça de marquer des points. Et là, de Aoléan, il était mal, mais est-ce qu'il a pas quitté un peu vite? Ah non, cette game, il est 100% perdu. 100% mort. Voilà. Il a moins d'économie, il n'a plus une seule population, il a plus de pop et il a moins d'upgrade. Le truc qui est étrange en fait, c'est qu'il lance son go et quand il lance son go, il est déjà en train de taper GG parce qu'il sait qu'il passera pas. Ouais. Donc c'est ça qui donne le truc un peu bizarre de ah, le GG était là. D'ailleurs, si vous remarquez, nous on était plus en train de hyper la fin de la fight que de dire qu'il y allait avoir GG. Mais voilà, il l'a tapé un peu tôt, mais on parle de 10 secondes trop tôt parce qu'en réalité, il n'y a pas de comeback dans cette game. On a un Terran qui est sur 3 bases, qui a lancé des améliorations, il a parfait de drone. Les 3 fois où il attaque, en fait, à aucun moment il ne peut avoir accès au tank. T'as un tank déjà sur la hauteur, les deux sont un peu en retrait. C'est pour ça qu'on sort direct les civis. Genre, ils perdent pas une fraction de seconde pour aller les mettre devant, pour bloquer les cafards. Tu vois, même si tu perds tes civis, même si c'est du friendly fire, tu t'en fous. Tu veux conserver tes tanks parce que au moment où le Zerg va devoir avancer, on l'a vu à chaque fois, les cafards se remettent en pâté et là, les tanks tirent dedans. Terminé, ça met un stop net et précis à l'avancée du joueur Zerg qui. Bon, encore une fois, on a fait une très belle prestation, mais non suffisante pour avancer dans cette compétition. Et du coup, on aura droit à un rematch TY contre Nib. Ce sera un peu plus tard dans la soirée. On va d'abord faire les 4 losers. Ils le font pas d'abord ? Non, on enchaîne les 4 losers et les 4 deciders. Je suis un peu logique. Ils cherchent la merde, les mecs. C'est logique. Non, c'est pas logique. Funka, regarde, on va au bout des choses, bordel. Il faut se reposer, le programmiste. Oui, c'est vrai qu'en même temps, il y a aussi la notion de TY vient de jouer. On va partir en interview, excusez-nous, avec Adjin et TY. And it was a close series more than we expected, but let's start with game one. You went with a pretty unconventional build. Is there a reason for that? 우선 너무 축하드립니다. 이번에 되게 좀 막상 막하였는데 1세트 얘기부터 할게요. 약간 특이한 빌드를 하셨는데 어떤 이유라도 있나요? 개인적으로 람보 선수의 티란전을 굉장히 높게 평가를 해서 첫 경기를 좀 올인 빌드로 이기고 시작을 해야 할 만하다고 생각을 해서 사용하게 됐습니다. I really high value Lambo's ZVT, and that's why I thought I have to all in and to start this series by taking this game, and that's why I chose to make this build. So second question, you told me that you were feeling sick yesterday. Are you feeling okay? And how does that affect you? Are you coughing still? 어제 약간 아프시다고 그러셨는데 오늘은 좀 어떠신가요? 제가 몸이 계속 미국 와서 안 좋았었는데 약을 좀 블리자드 관계자분께서 잘 챙겨주시고 여러모로 잘 챙겨주셔가지고 점점 괜찮아지고 있고 그래도 오늘도 완전히 완쾌된 상태는 아니지만 그래도 첫날보다는 좀 더 좋은 경기력을 보여드릴 수 있을 것 같아요. So I got sick since I'm here, but Blizzard people they were really nice with me, taking care with. I took some medicine. I'm feeling a bit better, but still a bit ill. But let's see how it goes. So you're still ill, but now you have to face Nib again. So are you ready to take that revenge? 아직도 조금 아프셨다 그랬는데 다시 닙 선수를 만나게 됐어요. 좀 이제 다시 복수를 할 준비가 되셨나요? 닙 선수한테 한번 졌어가지고 그래서 좀 아직 두려운 게 사실이지만 그래도 4강에서도 그러니까 GSL 4강에서도 두 게임을 지고 내리 이긴 기억이 있기 때문에 그때를 기억하면서 바로 연습에 돌입을 해야 될 것 같아요. So as I lost against Nib yesterday, I'm still a bit scared of him, but I won against him in GSL semifinals. After being down 0-2, I still won. So I'm going to think about it and to practice and to focus on my next game against Nib. Well, congratulations again and good luck against Nib for your next game. And back to you guys. TY qui s'impose et qui du coup eh bien, dit que ça va probablement être compliqué face à Nîmes, mais voilà, la confiance du Terran coréen. À un moment donné, je l'ai battu en demi-finale de la GSL, il manquerait plus que je le perde à la BlizzCon. C'est ça, et franchement, leur match était hyper solide, ouais, il a vraiment poché de pas grand-chose sur des timings bien vénères, donc ouais, non, un rematch qui sera complètement dantesque. Maintenant, le prochain match, ça sera heroMarine contre SOS, une nouvelle fois, un challenger face à un monstre, un double champion BlizzCon, genre Mister SOS. Fois. Voilà, beaucoup de joueurs, voilà, ouais, j'ai pas jamais gagné de GSL. Moi j'ai gagné de BlizzCon. J'ai gagné de BlizzCon, je suis seul. Fermez-la, voilà. Non, SOS, gros monstre de Starcraft 2. L'un des joueurs avec les performances les plus en dents de scie, mais quand il est là, il est capable de massacrer tout le monde. Hier, il ne l'a pas été. Ah, hier, il était mauvais. Avant-hier, voilà, face à Serral, ça ne l'a pas fait. Maintenant, tu as des jours avec, tu as des jours sans. Visiblement, il y a une sorte de maladie qui s'est répandue parmi tous les joueurs là-bas sur place, les Coréens. Ils ont tous la crève. C'est un jour sans, voilà, tu laisses couler 2 jours. Attention, ça peut être Peggy 18, voire même Peggy 21 le prochain match, hein, parce que déjà SOS... Oui. Tu vas bien. SOS coquin quand même, ouais. Dans l'absolu. Full coquin. Hein. Alors si tu lui donnes une petite chèvrelette comme heroMarine, il va s'amuser là. Hein. Moi j'ai envie de mettre heroMarine... T'as envie de mettre des points dessus? Moi j'ai envie de mettre des points dessus. J'ai envie de mettre des points dessus. Ton choix. J'ai du mal à déterminer qui va gagner à 100%. En réalité, c'est soit SOS a tanké un peu le premier BO contre Serral, et auquel cas il est toujours un animal très dangereux, et auquel cas je pense qu'il est favori face à heroMarine. Par contre, si hier c'est une représentation un peu de son niveau, je pense que heroMarine a les moyens, parce que c'est un joueur très solide en fait. heroMarine, c'est pas un mec qui a des pics de skill de ouf, non, c'est quand il train, il est bon, et il est très globalement bon en fait en tant que Terran. Ouais. Donc du coup, si t'as un mec un peu faiblard, un peu genre qui fait des erreurs, heroMarine il va jouer son plan de jeu sans en faire beaucoup et il va te crush. Ouais. Et du coup je peux voir un scénario où effectivement heroMarine bat SOS. Ah ouais, je peux voir 2 fois 8 minutes, tu vois, son petit timing, je te dis, sa petite base, il y a le point de ralliement et puis c'est parti quoi, et puis il crush. Hein. Il va falloir que ça se goupille bien, maintenant c'est le TVP, voilà, il y a eu une partie de main game qui est très importante dans ce match là, hein. Vendredi Marine Lord était là pour nous l'expliquer, donc toutes les cartes voilà, seront posées sur la table. Il suffira de choisir les bonnes. Nous, j'imagine que ça va pas tarder à être l'heure du break. Donc on se retrouve juste après la publicité. Nous n'avons fait qu'un des 8 matchs que nous avons aujourd'hui. Voilà, il nous reste 8 les bros. 8, voilà. Oui. On a de quoi savourer. On fait un petit break, on se retrouve juste après.